Eh bien, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Séquence Découverte. Aujourd'hui, on part sur une compile SNK 40e anniversaire collection. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, on va regarder un petit peu le contenu de cette compile. Donc, on a les crédits, on a les trophées qui sont à gagner. La langue, elle est française. Bon, il y a divers langues habituelles. Les crédits, bon, c'est les remerciements des créateurs. Donc, voilà. Donc, niveau options. Donc, on a le musée. Donc, voilà, on a l'intégralité des jeux SNK. Donc, voilà, qui seront à découvrir. Hein. Je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même. Donc, il y a quasiment tous les jeux SNK sortis par année, donc voilà, je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même le contenu. Voilà, les bonus, qu'est-ce qu'on a? Les bonus, on a les jeux originaux, on a les bornes SNK, donc c'est tout ce qui est promo, SNK en Occident, donc tout ce qui est Japon. On a les concept art, donc tout ce qui est dessin pour les jeux, quoi. Avant d'avoir les jeux, bien entendu, il faut faire des dessins. Donc on a les VGL, hashtag 01, on a toutes sortes de choses que je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même, sinon ça va casser la surprise. Donc voilà le petit contenu de ce petit bonus. On a les musiques du jeu, donc on va compter les jeux déjà par ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 jeux, 13 jeux dans la compile. Donc voilà, c'est tout ce qui est musique. Donc par exemple ici, voilà, vous avez tout ce qui est musique. Voilà, donc pareil, je vous laisserai le soin de les découvrir par vous-même. Ensuite, on sort des options, donc bien entendu, on va dans l'arcade, donc voilà, c'est parti. Donc ici, on a toute la compile des 13 jeux, que je trouve un peu maigre pour une compile, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, on va regarder tout ce qu'il y a comme jeu, donc on a Psycho Soldier, Préhistorique Isle, Pauvre, Iron Tank, Akiri 3, Akiri 2, Akiri 1, Guerrier à voir, Crystallize, Athena, Alpha Mission, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Street, Street Mart, donc ça doit être un Benzen Up. TNK 3, donc ça doit être un petit jeu de cartes, et Vanguard, voilà, 13 petits jeux qui fait voilà, un peu maigre, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va commencer tout en haut de la liste et on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Allez, alors donc voilà, arcade, donc nouvelle partie bien entendu. On va faire vite fait, parce que 20 minutes ça passe super vite. Donc on va pas trop s'attarder sur les jeux. Donc voilà le rendu. Donc c'est un petit écran comme ça. Voilà, comme. Et voilà, on tire. Je cherche le bouton pour tirer. Voilà, c'est là. Donc voilà, c'est un petit shoot. Donc mal vu, hein, c'est avancer, tirer et éviter de se faire crever, quoi. Donc voilà quoi. À quoi consiste le jeu. On va essayer de se faire un passage ou deux. Et on fera notre jeu. Bing, j'ai déjà perdu. Ou alors on va aller jusqu'au game over. Donc on repart de zéro à chaque fois qu'on perd. Donc déjà, c'est vraiment. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut sauvegarder les parties.
Donc graphiquement, c'est sûr qu'à l'époque, c'était superbe, mais pour maintenant, c'est vrai que ça fait drôle de voir que le Graphins. Personnellement, moi, la 2D, ça vieillit pas, donc bon, voilà. Ça reste propre comparé à la 3D. Mais non, bon, là, on est vraiment dans les anciens, vraiment jeux. Dans les années 80, quoi. Donc, je suis vraiment une buse dans ce jeu, style de jeu. Donc, voilà. On va essayer d'aller jusqu'à au moins au game over. De toute façon, il me reste qu'une vie. Donc, si je perds, bah, on fera un autre jeu. Ça, vous avez vu à peu près. Je vais essayer de vous faire voir tous les jeux. Ça vous donne une idée de la petite compile. Donc, bien entendu, c'est sorti. Sorti sur d'autres consoles. Hein. Normalement, c'est sorti sur PS4, Xbox, voilà. Peut-être PC, je sais pas. Pour PC, je sais pas. Normalement, c'est sorti sur les autres formats. Je dis bien normalement. À vous de voir, à vérifier. Donc, le petit vaisseau est un peu lent. Donc, bah voilà, j'ai perdu. Comme ça, c'est fait. Ce qu'on va faire. Donc merci d'avoir joué. Donc on essaye de ressortir d'ici. Je cherche le bouton pour sortir. Voilà, c'est ça. Quitter la partie. Oui. On va pas sauvegarder. Alors, on peut sauvegarder les parties et quitter. Sauvegarder et quitter sans sauvegarder. Donc on va faire sans sauvegarder parce que bon, c'était vraiment pas terrible. Donc le jeu suivant, donc c'est Athena. Donc on va voir ça ensemble. Donc. On a le choix entre arcade et console, mais bon, je vais garder le format arcade pour les puristes. Donc à chaque jeu, on a toujours sur le côté deux banderoles avec le personnage du jeu. Donc voilà, c'est parti. Alors on va contrôler seulement cette petite princesse. Voilà, As des frocs. Voilà, donc ça s'appelle vraiment pas de mine, mais bon, je cherche le bouton pour flinguer. Non, déjà ça commence bien. voilà. Ouais, donc elle fait des coups de pied. D'accord. Ouais, il faut vraiment. Voilà. Ouais, il faut pas traîner dans rien parce que les ennemis reviennent à chaque fois. Donc le jeu est assez dur. Mais bon. Putain, les ours pervers, là, on croit des gros pervers, les ours. Voilà, on a un marteau. On va essayer d'avancer un peu plus, qu'on fasse au moins un niveau. Voilà, on ramasse les sous-sous. On peut casser les pierres pour avancer. Voilà, on tue les espèces de trucs gluants, là. On casse le caillou. Viens parler à mon ami. Voilà. Hop, je ramasse maximum de choses. Bon, graphiquement, c'est vrai que bon, ça paye pas de mine, hein, c'est sûr, c'est de la 8, c'est 8 bits là. Facile. Mais bon, après, c'est à l'époque, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup. Mais bon, après, bon, même si c'est. C'est sympatoche, ça a l'air d'être assez sympa. À chaque item, j'ai remarqué qu'elle a une petite armure là en espèce d'herbe. Donc c'est fort sympathique. Les espèces d'ennemis là. Qui se craft tout seul, alors j'ai une épée. Ah c'est bon, on peut monter sur les espèces de lianes. Ah, je change d'épée. C'est bien au fur et à mesure. Ça me rappelle un petit peu Wonder Boy aussi. Mais bon, en plus, un petit peu plus dur. Donc voilà à quoi que ça ressemble à peu près ce petit jeu. Donc on va passer à autre chose. Donc voilà.
Ça, vous avez vu, ça vous donne une idée. Quitter la partie, bien entendu. Donc, hop, oui. 120 sauvegarder. Ah, j'ai sauvegardé la partie comme ça. Donc, le suivant, donc c'est Crystallize Guerrilla. Donc, ça doit être un petit RPG, je pense. Ouais. On va regarder ça. Voir ce que ça vaut. Ouais, c'est un petit RPG. Donc, il y a la petite intro. C'est vraiment format 8 bits. Hein. Donc là, c'est bien entendu en anglais. Hein. Donc je vous laisse un petit peu l'histoire. Donc là, c'est un petit RPG à la Final Fantasy. Donc, on y va. On va tester ça rapidement. Parce que c'est vrai que 20 minutes, ça passe super vite. Donc je vous laisse le soin de lire pour ceux qui connaissent un peu l'anglais. Donc voilà, on va peut-être démarrer. Parce que 20 minutes, ça passe super vite. Donc là, les explications. Donc je choisis mon nom vite fait. Donc on va s'appeler le nom de la chaîne RGO. Alors, G et le petit O. Voilà. Donc là, il me forme, donc je dois. Voilà. Donc je suis un espèce de petit bonhomme tout en violet, donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc voilà, je suis dehors, donc ils sont surpris, je sors d'une cave, ils ont peur. Donc voilà, donc c'est beaucoup de, c'est du blabla hein, habituel, c'est, ça fait exactement comme Final Fantasy. Donc on a pour dormir, voilà, j'ai passé l'argent comme d'habitude, le blabla, donc on a l'armurerie. Donc voilà, on a les mêmes petits bugs qu'on aurait un jeunesse. Donc voilà pour ce petit jeu, donc c'est un petit RPG, on va pas s'y attarder trop hein, en plus. Sinon on va passer des heures dessus. Donc voilà. S'il te plaît, on sort, oui. On sauvegarde pas. Donc voilà. Donc ouais c'est ça, Guerrilla Wars. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc arcade, nouvelle partie. C'est parti. Donc là, on. Ça doit être un autre petit show, c'est ça. Voilà. Donc on va contrôler sûrement un petit soldat, ouais, c'est ça. Alors, pour les tirs, je cherche les tirs. Voilà. Donc là, c'est un petit shoot, c'est plus intéressant. Style de jeu que j'apprécie beaucoup. Ça me rappelle beaucoup les commandos ou tout ce qui est. Jeu de ce même acabit. Voilà. Après, on peut tirer que d'un seul côté. Ouais, on peut tirer ah non, on peut avec l'autre gâchette, on peut tirer sur la droite ou la gauche. D'accord, j'avais pas regardé. Donc, on va repartir dessus. Ouais, voilà. Donc il y a les deux gâchettes de la manette qui fonctionnent pour contrôler le personnage. Là on est vraiment à l'ancienne quoi. Hein. Ils n'ont rien touché au jeu, ils n'ont pas amélioré, c'est quasi pareil, toujours aussi dur.
Donc on va aller jusqu'au game over et puis on voilà, on fera comme d'habitude, on passera à autre chose. Je sais pas si on a d'autres armes, je regarde. Non, on a que l'espèce de flingue. Ah, je vais peut-être pouvoir conduire un char. Je sais pas comment on fait pour monter dedans. Je sais pas comment on fait pour monter dedans. Je cherche. Ah voilà. Non, ça c'est pour s'allonger, d'accord. Bon, on va pas s'y attarder, hein. Pas trop le temps. Donc comme ça, je vous fais voir un petit peu à quoi que ça ressemble. Je vous laisserai le soin de le faire. Ouais, faut vraiment aimer la nostalgie des anciennes consoles. Voilà, merde, j'ai tué un ennemi moins 500. J'ai tué un civil. Donc voilà à quoi que ça ressemble. Donc voilà, on va pas s'y attarder plus. Hop, quitter la partie. J'espère qu'on va avoir le temps de faire toutes les tous les jeux de la compile. Donc Ikari Warrior, je pense qu'on va n'en faire qu'un seul. On va prendre directement le 3, ça doit être la meilleure version. Celui des Ikari, c'est le même genre. Donc on va passer le 1, le 2, le 3. Hein, c'est les mêmes versions. Qui sont un peu plus améliorés, voilà. Donc c'est toujours de la guéguerre. Donc voilà. C'est un espèce de Rambo. Voilà, il se bat à main nue. Ouais, c'est carrément un Rambo, quoi, on va dire. Il se bat à main nue. Voilà. Ah, venez là, de fuir. Et là, je me suis pris un coup de couteau. Un petit peu de sang, ça va, ça n'a pas été censuré. Donc voilà, on sort de l'eau. Et le personnage est quand même gros, hein. On voit bien qu'on est sur de la Neo Geo, quoi. On continue, j'espère que je vais avoir une arme parce que bon, se faire tout le monde à main nue, ça fait vraiment. Ah, il y en a un qui m'a égorgé. Donc voilà. Quelques coups de poing. Ouais, ça va là. Je me suis pris une mine. Donc voilà à peu près le jeu pour lui. Donc on va pas s'y attarder non plus. Voilà, on sauvegarde pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste pas mal de jeux. Donc on va essayer celui-ci. Rapidement, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Puis après, je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même. Voilà, là on va faire, si on perd une vie, on sort. Donc pareil, c'est un genre de guéguerre encore. Mais on contrôle un petit char. Bon, voyons voir un petit peu. Voilà, du coup, il n'y a vraiment pas de bruitage. Un petit peu de bruitage. Là, on est vraiment sur du 8 bits là. Donc le but du jeu, voilà, vous avez compris, avancer, tirer, avancer, tirer. Voilà. Ça papote. Ok. Donc on sort de là.
Donc vous avez vu à peu près le jeu, hein, donc le but du jeu c'est avancer, tirer. Donc on quitte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pot, donc encore un autre jeu de guerre, on va se le faire. Bon, on va dépasser un petit peu le temps, mais c'est pas grave. Le but du jeu c'est de vous faire voir la compile. Alors, donc voilà, c'est encore un prisonnier qui doit se libérer, voilà. Puis le but du jeu c'est d'avancer. Donc, c'est parti. Donc, c'est... Voilà. Voilà, hop. Donc, moi, c'est la version Switch. Hein, voilà, cette petite compile. Voilà, donc le but du jeu, voilà, c'est de cogner, avancer, cogner. Donc voilà, je vous laisserai le soin de le découvrir par vous-même. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que ça passe super vite. Hop, nouvelle partie. Donc pareil, là ça doit être un petit shoot. Voilà, ils me disent qu'on est là, avec la flèche. Hop. C'est parti. Donc là, on est dans un petit avion. Donc là, c'est bien, on a l'auto-tir. Voilà. Et sympa celui-là, par contre, j'aime bien. Il y a une bestiole qui me monte dessus qui essaye de me faire atterrir. Bon voilà, vous avez vu. Voilà, on va pas s'y attarder. Merde, je fais une photo. Donc, il nous reste combien de jeux à faire? Donc, on va essayer celui-là rapidement. Voilà. Donc là, un petit vaisseau qui dépose notre petit personnage. Donc c'est une espèce de petite princesse. En plus, ça chante, c'est bien, c'est... vraiment sympa, quoi. Voilà, je vais faire voir rapidement. Je vous laisserai le soin par vous-même, par le tester. Voilà, vous avez compris le principe. Hop. Allez, on change. Alors ensuite, là pareil. Jeu de combat des rues sûrement. Ouais, voilà, c'est un jeu de combat. Voilà, le but du jeu, c'est de cogner. On peut faire des petits saltos, voilà. Voilà, voilà pour ce petit jeu. Allez, on va l'enlever. Je vous ferai quand je reprendrai les mercredis rétro, les jeux entiers. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc là, c'est du tank. Donc, on va regarder un petit peu vite fait. Donc voilà, c'est la même chose que l'autre. Je pense pas qu'on va s'y attarder plus. Donc voilà, le but du jeu, vous avez compris. Donc voilà, on va pas s'y attarder plus. Voilà. Et le petit dernier, Vanguard. Alors, Vanguard, qu'est-ce que c'est comme jeu?
Donc c'est un petit shoot, voilà. Avec les touches, on tire dans tous les sens. Enfin, après, faut vraiment aimer ce genre de jeu et puis voilà, hein, la nostalgie, tout ça. Donc voilà, donc c'est un petit shoot, hein, vous l'avez compris. Voilà pour la compile. Donc on va s'en retirer de là. Voilà. Donc voilà pour cette petite compile de SNK 40e anniversaire collection. Donc moi je veux dire franchement, je suis un peu déçu de cette compile, franchement. Déjà, premièrement, il y a très peu de jeux. 13 jeux. Et le prix pour 40 balles. Juste 13 petits jeux. Bon, il paraît qu'il va y avoir une mise à jour pour avoir 11 jeux supplémentaires à partir du mois de décembre. Donc, qui seront bien entendu gratuits. C'est normal. Donc, en tout cas, un peu déçu pour cette compile à l'achat. Donc, quand elle sera plus complète au décembre, on verra les jeux que ça va être. Mais pour l'instant, déçu. Voilà. Donc voilà, si vous aimez ce genre de petite compile, bah, je vous invite à vous le procurer. Mais attendez plutôt la mise à jour décembre. Il va y avoir 11 titres qui vont arriver gratuitement sur les eShop habituels. Donc voilà ce que je peux dire sur ce petit compile SNK 40e Anniversaire Collection. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos et je vous souhaite un très bon week-end. Salut, salut!